Cette vidéo-ci va concerner donc l'incorporation ou l'inclusion d'un tétraèdre dont les sommets sont, enfin c'est un tétraèdre régulier, je vous le dis tout de suite, donc composé de triangles équilatéraux. On a un sommet A qui est de l'autre côté. A, sommet B qui est ici. A, B, le C, vous le voyez, il est là. Et D. Donc, je recommence. Le sommet A, voilà qui clignote en bleu. Sommet B, il clignote là-bas en bleu. Donc, la coordonnée, c'est 2, 0, 0. Moins 2, 0, 0. Et bon, le calcul a été fait pour avoir la coordonnée C et obtenir un tétraèdre, enfin, des triangles équilatéraux. Et en même temps, bon, un tétraèdre régulier composé de triangles équilatéraux dans chacune des faces. C'est-à-dire, chacune des faces est incluse dans un plan. Et là, on a notre tétraèdre. Alors, je l'ai habillé de différentes couleurs. Vous pouvez le constater, on a l'arête. Ici, il y a une arête. AB, AB1, AC, AD. Et alors, les longueurs font 4, hein. Et de l'autre côté, il y a une certaine couleur. BD, CD. Et puis je mets les faces. ABC. Alors, il y a 6 arêtes. 6 arêtes. Avec 4 sommets, on fait 6 arêtes. Et on construit 4 faces. D'où le mot tétraèdre, qui est un polyèdre à 4 triangles. Et ici, ce sont des triangles équilatéraux. Et maintenant, je vais mettre les faces. La première face, la seconde face, et alors j'ai mis des couleurs. Hein. Bon, la troisième face, la quatrième face, et en fait la pyramide complète, voilà, qui donne le tout et le volume, 754. Et les surfaces sont les mêmes. Hein. Toutes les surfaces, parce que c'est tous des triangles équilatéraux, sauf que à un moment donné, la calculée 692, mais c'est une question de précision de calcul. C'est rien que ça, bon, mais sinon c'est 6, non, 3 partout. Alors, je vais construire le cube qui va s'incorporer là-dessus. Pour ça, on va faire les constructions. Je cherchais les constructions. Hein. Bon, là-dessus, il y a plusieurs constructions. C'est pour ça que bon, il n'y a pas à avoir peur de tout ceci. Ça n'a rien à voir. Il faut que j'aille rechercher tout simplement ce qu'il faut. J'y arrive. Voilà. On a tout ici. Donc, il faut pour ça. Bon, je vais chercher tout d'abord l'origine. L'origine, bon, c'est l'intersection de l'axe Y. C'est l'origine, c'est l'origine là-bas, K1. Ça, c'est l'origine. C'est le milieu, si vous voulez, de AB. Je vais chercher le milieu de l'arête BD, qui est L1. Vous voyez, il clignote. D'ailleurs, GeoGebra a l'art de coller. Ça, c'est pour aller chercher les lettres. Après, on voit plus rien. Le problème, il est là. Donc, je vais essayer de le décoller. Voilà. La lettre L1 est là. Donc, on a K1, L1. Et bien sûr, c'est le milieu de BD. L1, c'est le milieu de BD. Alors que K1, c'est le milieu de AB. Qui est l'origine, quelque part. Voilà. Je crée le plan
qui va passer par trois points, c'est-à-dire L1 AC. Ce plan, c'est le plan que voici. L1 AC, c'est le plan, si vous voulez, médiateur. Alors, pourquoi je prends ce plan-là? Parce qu'il faut bien prendre ce plan-là. Bon, je pourrais prendre un autre plan, mais il faut deux arêtes opposées. Alors, qu'est-ce qu'une arête, deux arêtes opposées? C'est deux arêtes qui n'ont pas le même sommet, qui n'ont pas en contact deux sommets identiques. Or, justement, BD et AC BD, c'est deux arêtes qui n'ont pas de sommet commun. BD, AC, voilà. Et à partir de ça, je crée un plan médiateur. Donc, il faut absolument prendre deux arêtes opposées. Alors, deux arêtes qui ne sont pas opposées sont adjacentes. Hein. Là, ils ont un sommet en commun. Mais ici, il n'y a pas de sommet en commun. Donc, j'aurais pu prendre, par exemple, l'arête DA et BC. DABC, ou encore DC, AB, c'est ce que j'ai fait, ou encore BD, AC. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas de point commun, ben, ça reste des arêtes opposées. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un plan médiateur. Voilà, un plan médiateur. Donc, médiateur parce qu'il passe au milieu du segment BD, qui passe par l'arête opposée, qui est AC. Voilà, et ça, c'est, j'ai créé le plan là. Ensuite, j'aurais pu taper directement médiateur. Voilà, bon, ici, je ne l'ai pas fait. J'ai tapé plan. Enfin, de toute façon, je l'ai fait à partir de trois points. Voilà, vous avez dans plan ici, voilà, plan passant par trois points. J'ai mes trois points. Bon, j'ai le L1, A et C, je les ai. Donc, voilà, voilà, je sais trouver. Je sais trouver le plan. Pas besoin de passer par la fonction plan médiateur. Bon, ici, il y a le menu qui. Ensuite, je crée la droite P1. À droite P1. La droite P1 passe par D. Mais elle est parallèle à AC. La droite P1 est parallèle à AC. Bon, comment j'ai fait ça? Ben, c'est via ceci, parallèle. Voilà, parallèle. Quand il vous dit parallèle, il vous demande un point de passage, c'est le point D. Parallèle à quoi? Ben, au segment AC. Donc, c'est comme ça que j'obtiens cette droite-là. C'est une droite qui est parallèle à quoi? Mais c'est pas n'importe quel segment, hein. Je suis un petit peu embêté parce que ça ne tombe pas bien. J'ai un système de blocage ici pour montrer des choses. Ça ne tombe pas. Il a du mal, hein. Il a du mal à tourner. Bon. À mon avis, il est bloqué. Ah, voilà.
Donc, ce que je disais, la droite là, elle est pas anodine. Pourquoi? Parce que j'ai pris deux arêtes opposées. Donc, je vous ai dit, c'était DB, BD et AC. Alors, je prends le plan médiateur qui passe par AC, mais qui va passer par le milieu du segment AD, c'est-à-dire l'arête opposée. Et en même temps, je fais une parallèle à cette même arête, voilà, du bas, là, qui est AC, qui est l'arête opposée à BD, bien sûr, et qui passe par D. Qui passe par D. Qui passe par D. Je vais rechercher ce qu'il faut. Bon, ça c'est la première étape. La seconde étape, ben, j'attache. Bon, ici je l'ai mal fait. Hein. J'attache un point en P1. Bon, j'aurais dû pas faire ça. Bon, voilà. Si, 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 je m'excuse. Bon, attacher, c'est ceci. Hein. C'est point sur objet. Point sur objet. Donc j'attache un point, voilà, sur la droite P1. Alors je vais mettre c'est un point quelconque, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. Par contre ici, il m'a mis quelque chose qui ne vaut pas. F3, j'en ai pas besoin. Je m'excuse parce que j'attends chaque fois parce que ça tourne pas. Tant qu'il ne me libère pas la petite main là, j'aurais du mal à montrer quoi que ce soit. Parce il rame un petit peu. Hein. Alors j'attends. Voilà. Je vous dis, il rame encore. Donc je sais pas, j'ai pas accès à. Ça va venir, hein. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que les premières constructions pendant ce temps-là, pendant qu'il rame, ben, j'ai expliqué un petit peu comment ça va. Donc j'ai pris un plan médiateur. Hein, je prends deux arêtes opposées. Je prends un plan. Voilà, il m'a libéré. Donc j'ai pris un plan médiateur. Voilà, et qui passe par le milieu du segment BD. Pendant ce temps-là, je fais une parallèle à l'arête opposée, qui passe par le sommet, enfin par D, et puis je prends un point quelconque qui est M1. Un point quelconque, bien sûr, de la droite. Ensuite, pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir trois points. Parce que, bon, trois points alignés, ça ne va pas. Je ne sais pas créer un plan avec trois points alignés. Deux points, je ne sais pas créer avec un plan avec deux points. Bon, pour former un plan, il faut trois points non alignés. Or, j'ai déjà BBD comme point. Alors, je crée un plan. Voilà, ce plan-là. Je viens de créer ce plan-là. En fait, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est le plan qui est parallèle à AC, qui est l'arête opposée à BD, voilà, et qui passe par BD. Voilà, c'est une arête parallèle à. Donc, je viens de créer là un troisième point juste pour avoir un plan qui passe, un plan qui va reprendre, si vous voulez, le segment BD. Donc, je crée un plan BDM1. BDM1 qui est le plan parallèle à, si vous voulez, à l'axe AC. Ce plan-là, il est parallèle. Alors je vous rappelle qu'ici, on a des tétraèdes, il n'y a pas de parallélisme dans les tétraèdes. Hein. Ça, c'est une particularité du tétraèdre. Il y a aucune fille, aucune, c'est un polyèdre à quatre faces, il n'y a aucune face qui est parallèle. Mais je peux créer quand même des plans d'une arête,
un plan parallèle contenant une arête à une arête opposée. Pourquoi pas? Je viens de le faire ici et c'est la technique. D'ailleurs, je vous avais montré ça dans une vidéo qui dure 2 minutes. Hein, comment avoir un plan parallèle à une arête opposée. Je vous l'avais montré. Bon, et pour les tétraèdres, c'est très bien parce que bon, quand on n'a pas de plan parallèle, on sait bien d'avoir un plan parallèle à une arête. Hein. Ensuite, je cherche l'intersection de la droite avec l'arête CD. L'arête CD. Ça, je ne sais pas si j'ai besoin de ça. N1. Bon, ça, je ne sais pas si j'en ai besoin de ça. Je verrai après. Ouais, j'ai pas besoin de ça. Par contre, est-ce que j'ai L1? L1, c'est le milieu de l'arête BD. L1, c'est le milieu de l'arête BD. Et je vais créer une sphère qui va avoir comme centre L1 et il va passer par D. Donc je crée une sphère, le centre L1, qui va passer par, bien sûr, B et D. Parce que voilà, ils sont à équidistance. Hein. Le centre est à équidistance. Donc s'il touche, la sphère touche le point D, il va toucher le point B. Ensuite, je fais l'intersection de la sphère avec le plan M1DB, avec le plan qui est parallèle, et voilà, qui est parallèle. Et voilà, l'intersection va donner ceci. Voilà, ça donne un cercle. Voilà. Ça donne un cercle. L'intersection donne un cercle. C'est la sphère qui passe par BD. L'intersection avec le plan parallèle, voilà, à l'arête, voilà, AC, ça donne un cercle. D'ailleurs, on peut y voir à l'intérieur, c'est bien, parce qu'on y voit à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et on voit le fameux tétraèdre, voilà, par une ouverture ronde. Et on fait l'équation, voilà, on a le cercle. Je vais chercher l'intersection de ce cercle avec le plan médiateur. Avec le plan médiateur. Alors, vous aurez compris qu'on aura 2 points qui vont se dessiner. Vous allez voir apparaître le cercle avec le plan médiateur. Un point et un deuxième point. Ça, c'est voilà à quoi servait le plan médiateur, à quoi il me sert. Il sert à trouver 2 points comme ça avec l'intersection du cercle. Alors maintenant, je vais attacher un point. Bon, mais là, c'est vrai que je m'excuse. Le point, je l'ai mal attaché. Hein, vous voyez, je l'ai fait avec point sur objet. Bon, j'ai pas été précis parce que. Bon, j'ai attaché un point Q1 sur P1. Ouais, mais je l'ai mal attaché, il l'a mis juste à côté. Normalement, vous voyez, le point P1, c'est moins 2, 2,31 et 1,64. Moi, quand je l'ai attaché, bon, je l'ai mal attaché, je m'excuse. Bon, il a mis je l'ai attaché juste à côté, c'est moins 1,98, 2,32, 1,66. Bon, si vous voulez, il y a 2 centièmes d'erreur. Il y a 2 centièmes d'erreur. J'aurais dû prendre directement le point P1, je m'excuse. Bon, j'ai attaché un point là-bas. Bon, je m'excuse, j'aurais dû utiliser ce point P1. Alors que j'ai attaché un point sur P1, alors que j'avais déjà un point. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Disons que j'aurais 2 centièmes d'erreur. C'est pas ça qui va faire la grande différence. Donc j'ai ce fameux point Q1 qui est P1. Hein. Enfin, quelque part, c'est P1.
Alors, donc Q1, CP1. Ensuite, je crée le segment Q1, D. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir apparaître. Je crée Q1, B. Je relie les sommets. Q1, B. Je relie le segment B. O1 et ensuite DO1. Voilà, et bien ça, je peux vous dire que ça fait partie du cube qui va construire. Voilà, c'est on a déjà ceci. Bon, je peux le faire avec deux autres arêtes, mais bon, je vais pas le faire avec deux autres arêtes. Je veux tout construire à partir de ce fameux carré qui a été construit là. Alors maintenant. Le tout, c'est de faire voilà, recréer encore des segments. Moi, je n'ai pas terminé. Je vais recréer un segment. Qu'est-ce que je peux corriger comme segment? Q1C, c'est l'autre côté. Alors, je crée une droite. Qui passe par B. Et parallèle à, bien sûr, c'est un jeu de parallèle. Hein. Il est parallèle à P1, voilà. J'ai fait une parallèle au segment. H2, je l'ai fait avec une parallèle. Hein. Ça, voilà, vous faites les droites parallèles, c'est ici. Voilà, parallèle, alors que les plans parallèles, c'est ici. Bon, pas confondre un plan parallèle d'une droite parallèle. Ici, j'ai fait une droite parallèle qui passe par. Bon, alors il y a une construction qui m'intéresse plus, bien sûr, c'est la droite. Je vais enlever ce qui m'intéresse plus. Bon, le plan médiateur, il ne m'intéresse plus. Ça, c'est bon, ça, je peux le laisser. M1 ne m'intéresse plus, c'était pour créer le plan. Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus? Bon, la perpendiculaire là, elle vient de se construire. C'est pas moi qui l'ai construite. Bon, c'est fait. Je n'ai jamais construit ceci. J'ai voulu juste tirer un point. Je ne sais pas pourquoi il m'a construit. J'étais sur l'option perpendiculaire, à mon avis, c'était ça. Je vais retirer le point M1, il ne m'intéresse plus. Bon, pour voir avoir une meilleure visibilité, il faut savoir enlever des choses. Je ne sais pas ce qu'il m'a mis. Est-ce que c'est ça? Voilà, les constructions sont là. Voilà. Donc, je vous ai dit que ce qui m'intéressait pas, c'était M1, je l'ai enlevé. Bon, et alors, bon, la droite P1, ici, ne m'intéresse pas. C'est une construction, ça, c'est pour avoir un plan. Bon, il me remet cette droite perpendiculaire que je n'ai pas demandé. Et voilà. Je n'ai pas demandé de droite perpendiculaire. C'est celle que j'ai effacée tout à l'heure, ça. Et en plus, il bloque. Donc, il ne va pas me faciliter la tâche. Bon, on va patienter. C'est voilà, la raison de l'informatique, c'est la patience. Donc, c'est parce qu'il est saturé d'objets. Hein. Bon, je vous avais dit à plusieurs reprises, quand bon, GeoGebra, il est saturé. Mais il commence à bloquer, effectivement, c'est le cas ici. Là, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, il m'a rendu la tâche. Pas court parce qu'il a court le. Voilà, maintenant, il me l'a rendu. Mais il faudra patienter parce que cette vidéo, pour l'instant, il a tellement d'objets que c'est lourd hein, pour lui. Donc,
Je m'excuse si ça prend un petit peu de temps, cette vidéo, simplement parce que, bon, il bloque. Je peux pas montrer des choses si ça bloque, hein. Donc je vais patienter encore un tout petit peu, histoire que, bon, qu'il va me... Il m'a rendu la main. Il était temps. Je suis pas un petit peu avancé. Mais il me fera le coup un petit peu par après en cours. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, je vais de nouveau enlever la droite D. Parce que je l'ai enlevé, mais bon, ce qui fait, il me l'a remis. Je vous dis, il faut de la patience, hein, parce que pour l'instant, il rame, et quand il rame, bon, tant que je n'ai pas terminé ma vidéo, il faut que j'enlève cette droite D1. Voilà. Je dois aller jusqu'au bout comme ça. Je n'ai pas un ordinateur aussi qui est puissant. Bah ici, je ne sais pas pourquoi il me prend. Voilà. Donc pour l'instant, on a ceci. Alors maintenant, je peux construire les droites parallèles. Parce que j'ai déjà un carré ici. Hein. Donc une fois que vous avez le carré, la tâche est terminée. Hein. La tâche est terminée. Que le tout, c'est d'avoir le carré. Le carré, il était inscrit dans le cercle là-bas. Le carré était inscrit dans le cercle. Une fois que vous avez ça, c'est fini, hein. On peut avoir tout le reste, hein. Parce que je peux relier. Il faut juste relier les segments un à un. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, ici j'ai mis des droites, hein. Bon, hein. Ces droites parallèles, en voici une, voici une deuxième, en voici une troisième. En voici une quatrième, cinquième. Alors parfois je prends des intersections pour reconstruire un nouveau segment ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là vous voyez que le tétraètre est inscrit. Bon. Alors. Là, je peux avoir l'équation des plans. Si je veux ce plan DQ1C, je peux l'avoir. Hein. ODR1, bon, je peux avoir les plans parallèles, tous les plans parallèles. Je peux tous les avoir, qui constituent bien sûr les faces. Hein, ça, c'est un deuxième plan qui constitue une seconde face. Je peux même avoir un vecteur unitaire si vous voulez. Mais je continue le travail des arêtes. Et là, je complète par des arêtes. Je vous dis, une fois que le carré il est fait, c'est fini. Hein, le travail il est fini. Là, à ce moment-là, je peux dessiner le cube. Mais le problème ici, le cube, je l'ai mis juste à côté. Bon, je peux le faire. Je peux le faire à partir d'ici. Je vais essayer de faire le cube.
fais tout n'importe quoi. Donc je remette l'ancien cube que j'avais. Il faut la bonne direction, c'est ça, c'est juste ça. Bon, mais je vais en mettre un. Voilà, je vais mettre un cube que j'avais déjà construit. Il va être juste à côté, c'est pas un problème. Mais je pourrais le comparer, je peux vous dire que c'est bien un cube. Hein. Pour autant qu'il me rend la main. Je vais bientôt terminer cette vidéo parce que je peux pas patienter comme ça longtemps. Alors qu'il. Voilà, c'est trop. Quand il me rend la main, il me rend la main trop longtemps. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine que ça se termine. Où est-ce qu'il m'a rendu la main? Oui. Mais il m'a pas effacé le cube. Voilà. Je vais remettre l'ancien cube qui est juste à côté. Je vais le mettre juste à côté, on pourra le comparer. Alors je peux mettre des segments, hein, si vous voulez. Non, je m'excuse, c'est difficile de travailler comme ça. Il veut pas me donner la main à chaque fois. Je vais effacer quelques constructions et je m'arrêterai là parce que pour essayer de tenter de voir le cube. Alors, le chemin, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'efface quelque chose, il me redescend tout en bas. Un truc bizarre de GeoGebra. Voilà, je vais retirer le plan médiateur.
Et là, il est inscrit dans un cube. Donc, il faut que ce soit des diagonales. Si vous avez compris l'astuce, il faut que ce soit des diagonales. Enfin, que les côtés du tétraèdre soient les diagonales du cube. C'est ça l'astuce. Alors, il faut faire la construction que j'ai faite tout à l'heure. Bon, maintenant je vais mettre le cube. Qui serait juste à côté, pour vous dire que c'est bien un cube construit par GeoGebra. Oui, il va se mettre juste à côté. Voilà. Voilà, vous voyez que ça c'est bien un cube. Hein, j'essaie de construire à partir de. Il m'a tout retiré. Voilà. Voilà le propre. Il fonctionne pas de manière rationnelle pour l'instant. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Voilà, qui m'a encore bloqué. En tout cas, vous avez vu. Vous avez plus ou moins vu. Parce que bon. Voilà, il m'a rendu la main. Mais en tout cas, il m'a effacé des affaires. Non, il m'a encore pas rendu la main. Voilà, la main est toujours là. Ah, voilà. Ma comparaison rendu la main, mais en tout cas il m'a reconstruit le cube. J'attends qu'il me rende la main. Difficile de voilà d'apercevoir quelque chose avec tout ça. Voilà, et donc vous voyez que c'est bien le cube. Bon, toutes les arêtes n'y sont pas de l'autre côté, ben ça m'intéresse pas de les mettre parce que je vois qu'ils bloquent beaucoup, donc c'est pour perdre son temps.
Voilà, de toute façon, là, il n'est pas fermé. Si je devais encore le fermer, il va me faire toute une panoplie de. Voilà, de. C'est pas ce que je voulais mettre. Je voulais mettre un segment. Je vous remercie, ça a été long, mais je m'excuse. C'est parce que c'est en fait ça bloque. Je vous remercie.